Je pense qu'on est tous déçus. On voulait se qualifier aujourd'hui. On est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match. Voilà, félicitations à eux. Il nous reste un match dans 4 jours. À nous à bien travailler et à gagner ce troisième match. Mentalement, ça va être difficile, non? Ça va être difficile, mais on est des grands joueurs. On a de l'expérience. Donc voilà, on va se relever. Et on va tout donner sur le dernier match. Avec un peu de malchance, vous sortez meilleur, enfin, vous sortez deuxième, pas premier, donc vous tomberez l'Espagne. De toute façon, si on veut aller au bout, il faut gagner contre tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, Espagne, Allemagne, Japon, c'est peu importe. On va tout donner et voilà. Là, il faut juste bien se reposer, voir ce qui n'a pas été surtout. Parce qu'on fait pas, si on regarde, on ne fait pas un si mauvais match que ça. Non, mais il n'y a personne au premier poteau sur le coup franc, c'est normal ça? On a travaillé défensivement, on n'a pas bien fait ce qu'il fallait, mais bon voilà, ça arrive. Offensivement, on n'a pas marqué de but, on a eu des occasions. Donc voilà, à nous à mieux faire. Est-ce qu'au total, il n'y a pas eu trop peu d'occasions pour les Belges? On en a eu quelques-unes, mais c'est vrai que quand on a des joueurs de cette qualité, on doit faire mieux. Mais voilà, après, comme je dis, je trouve qu'on a fait un moins bon match contre le Canada et on gagne le match. Aujourd'hui, on joue un peu mieux et on perd le match. Donc voilà, c'est ça le football. Félicitations au Maroc.